De plus en plus, les entreprises ont toutes sortes de données qu'elles doivent exploiter pour être efficaces, pour faire des affaires. La spécialisation en intelligence d'affaires couvre plusieurs domaines qui permettent d'exploiter ces données. Alors, la spécialisation intelligence d'affaires, c'est une spécialisation qui est très vaste. On va avoir d'un côté les cours de TI, mais également des cours d'analytique et des cours de marketing en option. En fait, l'objectif de la spécialisation, c'est vraiment de créer des gestionnaires qui pourront ensuite contribuer à la performance des entreprises et des organisations en mettant en avant la valorisation des données. À l'intérieur de l'intelligence d'affaires, il y a plusieurs spécialités. Il y a l'analyse de données, il y a la visualisation de données, il y a même une partie où on va faire la science de données. Les étudiants sont donc exposés à toutes ces méthodes qui permettent de transformer les données afin d'en extirper de la valeur, ce qui est rendu vraiment essentiel pour toutes les entreprises. Alors, je pense qu'un bon étudiant en spécialisation intelligence d'affaires, c'est avant tout un étudiant qui est curieux. Parce qu'il y a énormément de choses à découvrir, puis il n'y a pas de limite. Donc, c'est surtout des étudiants curieux qui ont un intérêt pour les technologies émergentes, les nouvelles technologies, les données, le big data, etc. Ça s'adresse à des personnes qui ont ce côté inspecteur. Donc, en gros, qui vont aller chercher, qui veulent vraiment répondre à des questions, qui sont très curieux, qui veulent répondre donc à des questions à partir de chiffres, à partir de la donnée. Ça s'adresse aussi à des personnes qui savent manier la technologie avec quand même une bonne facilité. Une dimension qui est souvent sous-estimée, c'est l'importance des aptitudes sociales, de la capacité à communiquer. C'est bien beau d'analyser les chiffres, mais pour qu'ils aient un impact, ils doivent être mis en production. Et pour ça, il faut que le scientifique des données parle aux gens de l'entreprise, réussisse à convaincre, réussisse à comprendre aussi les besoins de l'entreprise et non pas donner une solution qui est en dehors de ce que l'entreprise a besoin. Il y a différents débouchés. Il y a tout ce qui est donc tout ce qui tourne autour de l'analyse de données. Donc, on parle ici de analyse d'affaires, analyse de données, puis pour même des personnes qui sont un peu plus dans l'algorithme, on va chercher donc des scientifiques de données. Mais il y a aussi tous les métiers qui tournent autour de la donnée sans forcément programmer ou utiliser des outils. Ça dépend beaucoup du niveau de maturité des entreprises. Donc, certaines ont besoin de gens qui vont faire des analyses de données, parfois sur Excel, souvent avec des logiciels ou des systèmes plus complexes. Les grandes entreprises ont une expérience avec des données depuis très longtemps. Donc, on a des gens qui travaillent plutôt du côté marketing quantitatif, mais vraiment de plus en plus, tous les aspects de l'entreprise comportent des données et nos finissants peuvent évidemment y contribuer. Il y a deux points que j'aime vraiment dans cette spécialisation. Le premier point, ça va être la polyvalence de l'apprentissage. En fait, on apprend des choses sur beaucoup de domaines très variés. On a des apprentissages du côté technologie de l'information, comment construire des bases de données, comment extraire les données, les transformer. Ensuite, on a l'aspect analytique, où là, ça va être vraiment plus l'aspect des données, ou donc l'analyse de données, la visualisation, puis même avec des cours un peu plus poussés comme la science des données. On a des apprentissages qui sont nouveaux au niveau des méthodes, donc tous les aspects statistiques, les méthodes, l'apprentissage machine. On a à travers ça, on est dans une école de commerce, on a à travers ça vraiment le lien entre ces méthodes et leur usage pratique, qui est en fait une force d'HEC. Le second point, ça va être l'aspect très concret de la spécialisation, puisque on est là aussi pour étudier des logiciels et des langages de programmation qui vont nous être utiles ensuite pendant tout notre cursus professionnel. En termes d'apprentissage, c'est vraiment ce que permet donc ce programme, c'est probablement au niveau de la programmation. On arrive à avoir donc une bonne aisance en programmation, puis que ce soit du SQL, du R ou même juste des outils comme Tableau ou bien Power BI. Nous nous basons sur cette expertise et notre expérience pour avoir un programme qui correspond aux besoins de l'entreprise et être des leaders dans le domaine. C'est un bac que j'aime dire caméléon. On peut autant être des spécialistes en intelligence d'affaires, mais pour le marketing, ou bien pour la finance, ou bien même, j'ai déjà vu des personnes qui sont vraiment pour donc des départements en médecine, pouvoir sortir des chiffres, des rapports et aider donc là-dessus. Donc c'est un bac en réalité qui permet donc d'aller dans tous les domaines.